C'est le talent. Je m'en veux. Je sais pas. Il y a eu un petit remis. Ah, mais c'est joli. Mais ils n'ont pas l'oreille. Ils n'ont pas l'oreille. J'ai un fou rire nerveux. Je voulais savoir. Je suis rincé. Moi, depuis 18h30. Commencer une semaine avec une victoire Karim Benani, c'est quand même. C'est une bien belle semaine. C'est rare, non, mais ça devient rare. Non, c'est faux. C'est faux. Parce que t'es pas là tous les jours, toi. C'est vrai. En tout cas, vous avez gagné ce soir. Le 15 de France, lui, a perdu hier. On reviendra sur cet événement avec Fabien Galthié qu'on a croisé dans les rues de Paris. Ouais, il était un peu comme ci, comme ça. Il y aura une fan zone. Là, les gens, c'était avant le match. Ils étaient contents. Ouais, contents, très contents. On parlera de vous aussi, Ludo Bragnac. Mais avant, petit tour des terrains. Allez, on y va. C'est parti et direction une bonne vieille boulette dans le championnat brésilien. C'est cadeau, on se régale. Oh là là, c'est bizarre ça. On peut revoir, il a fait quoi le gars? C'est le foot féminin. Arrête. Arrêtez, Ludo. Tu sors. Oh, et dans le championnat malaisien, on a vu un très beau double carreau. C'est simple. Ah bah là, c'est. Oh, les gars, faites gaffe quand même, oh, tranquille. Petite galère pour James Madison avec la section anglaise. Eh ouais, non, c'est de l'autre côté. C'est la classique. Ah, ouais, il y a pas. C'est pas vrai. Et en hockey, on a vu un fait très rare. Regardez, il perd sa crosse. Il va s'emmener le palais avec son patin et on va lui donner une nouvelle crosse en pleine cour. Ah, génial! Il a le droit de faire ça? Bah oui, écoutez. Ne me demandez pas des règles de hockey, Karim, parce que. C'est génial, en fait. C'est génial, bravo. Et ça fait but. Bien, on voit bien le palais en plus, vous avez vu? Alors, on voit bien le palais. Petite vidéo pour rendre hommage au sport irlandais ce week-end, ils étaient nombreux et chaud bouillant. Dans les rues de Paris. Ouais. Et Borat, qui était. Et enfin, à niveau leader, faites comme les rugbyman, pensez à mettre un protège-dents, ça peut servir. Ou pétard, ouais, dites encore ça. Comment elle va? Ou pétard, très bien. Ou coquine de sort. Les téléspectateurs de la chaîne L'Équipe ont eu de la chance samedi, puisqu'ils ont eu Ludovic Obraniak himself au commentaire du match Italie-Malte. Et vous avez vu, à la 39e minute. Qu'est-ce qu'il a foutu, le gardien maltais? Il s'est dit, dans sa tête, d'accord. Il s'est dit, les gars, moi je suis brésilien. J'en ai rien à foutre, d'accord. Pendant 7 minutes là, je suis brésilien. Ça n'a pas trop réussi. Trio en club, avec Raspadori et Muskin, attention là. Oula, mais qu'est-ce que tu fais? Bien joué, mais bon. Ah, il a joué terrible. Ah, il s'est blessé. Forcément. Alors, Ludo, faites plus confiance quand il commente, il a l'œil. Il voit tout. Il a vraiment vu le truc, quoi. Raspadori qui s'est certainement pas lâché. Il s'est dit, c'est mon moment. Allez, je le tente. Et est-ce qu'il a vraiment touché? Non. Ah, fais voir quand même. Non. La vista. En plus, il est très sûr. Non. Il l'a pas touché. Il a juste arraché le pied. Ouais, mais sinon, ça va. Vous n'avez pas arbitré le match, vous, regardez. Je vois avec le feu aussi. Exactement. Tiens, on s'intéresse à Bertrand Latour, qui lui était sur le port d'Amsterdam. Et je peux vous dire que sa permanente a pris cher. Oula. Ah, il a tenté le parapluie, après il s'est dit c'est mort. Ouais, dur. Oh là là. On l'a retrouvé 2000 plus tard, c'était terrible. Ouais, planque-toi. Bertrand, ça va. Oh là là. Il s'est envolé. Et un peu plus tard, en plein duplex, regardez la bande de comiques. Dominique Sévrac, Loïc Tanzi, Tutti Quenti lui ont préparé une farce. Hop là. Ouais, c'est dur, hein, de travailler avec des gars comme ça. Et le mieux, c'est quand même un petit naufrage de Loïc Tanzi qui a refait. Ah non. Mais il n'y arrive pas en plus, regardez. C'est nul qu'au jeu d'ailleurs. Non. Regardez ça. Là, il dit l'escalator. Mais non. Escalator droit. Oh là là. Escalator droit. Qui a un escalator droit comme ça? Non, mais il faut qu'il arrête. Il est nul. Loïc, arrête. On t'adore, mais t'es nul en escalator. Reste sur le journalisme sportif, les scoops. Et encore, t'es nul en escalator. Ouais, t'es nul en escalator. Tu es nul en mime. Alors, hier, un autre naufrage, celui du 15 de France face aux Sud-Africains. Alors, on est tous tristes, mais avant le match, on était heureux, on croyait qu'il y avait de l'espoir. C'est l'heure de partir pour cette fan zone, la dernière du coup, de cette Coupe du Monde. Louis, viens le barrer ! 1, 2, 3. Oh Damien, il y va ! Ouais, ouais c'est Moi j'étais pas. On peut l'en faire. 1, 2, 3. Non mais mauvais. Damien, non.
Il est con, lui, allez. France, gagné d'une dizaine de points. 10 points. Ouais, ouais, c'est pas serré, c'est pas serré. Moi, je le vois un peu plus serré, mais j'entame le match assez sereinement quand même. Avec une belle bagarre aussi. Deux partout. 97-0 pour la France. 23-10 pour la France. 24-0. New Zealand, France, follow. French, follow. Ah bah c'est les bleus qui vont gagner, les Français, vont gagner. Allez les bleus. Ça c'est sûr. If you touch Antoine Dupont, bagarre. La chatte. I fight to you. Moi je connais pas l'anglais, mais allez. Come on, come on. Commande. Mathieu Larto. Messaoud, Inter qui? C'est pas un chroniqueur, c'est présent. Ah mais merde. Boubi, Max Boubile. Greg. Bertrand Latour. Bertrand Latour. Bertrand Latour. Bertrand Latour. Combragnac. Combragnac. Ouais. Non. Pas lui. Pas lui. Pas lui. Pardon. Ouais, lui. Que le rugby. Je t'aime, Bertrand. Je t'aime, Bertrand. Bertrand, je t'aime. Avec Claude. Avec Claude plutôt. Eh, Bertrand, continue. I love you. Fabrice Pancrate. Le jeune blanc qui a les cheveux courts. Castaldi. Non, il a rien à voir là-dedans, Castaldi. Mais si, c'est lui qui présente aussi l'équipe. Castaldi, il est pas sur l'équipe. Si, si. Ah, tu vois, il est sur l'équipe. Giovanni. C'est bon, c'est celui qui ressemble à Patrick Juvé. Où sont les femmes là? Eric Schneider. Eric Schneider. J'ai aimé le blanc. Il y a un gars qui a dit Obraniak, tout le monde s'est arrêté. Alors c'est fini pour nos bleus, c'est cruel, c'est difficile pour tout le monde et cet après-midi on se baladait place de la Concorde et on est tombé, figurez-vous, sur notre Fabien Galthié qui traînait son âme en peine du côté de cette fan zone. Voilà, c'est fini. Allez, c'est terminé, hein. On ferme tout là, moi je remballe la fan zone, hein. C'est terminé, putain. Allez, je vais tout démonter. On est éliminé, vous pouvez remballer, hein. Ça sert plus à rien. Hein. On remballe tout. Hein. On s'est fait éliminer, on va pas laisser la fan zone pour les Sudaf et les Rosebif. Hein. Allez, on ferme. Oh putain, je tombe sur des Sud-Africains, putain. Allez, barrez-vous. Ouais, allez. Barrez-vous, moi je ferme la fan zone. It's finished. Voilà. Allez, barrez-vous les touristes, c'est terminé. Au revoir, comme sur le quai du Gard. Fabien Galthié. Yes, Fabien Galthié. Ah, hello. Where you come from? Africa du Sud. Oh. My heart is broken, hein? No, no, yes, my heart is broken. He come, Iran, he stop the ball like that. He's too fast. Yes, he's too fast. C'est une gazelle. He run 25 meters in 2 seconds. No, no, it's closed. We stop the bamboche, là. It's closed, the fan zone. Allez. L'obélix, on y accède là-haut. Alors, c'est l'obélisque, parce qu'obélix, c'est dans la bande dessinée. Ouais, mais on peut aller par là ? Ouais, tu peux y aller, vas-y. Okay, je m'en fous, de toute façon, j'ai perdu. Ah, les Irlandais, vous avez perdu aussi, hein, putain. It's hard, hein. It's hard. Yeah, it's hard for you. My heart is bleeding. For both of us. Yeah. On va aller préparer la hallucination, hein. Prendre un peu de vacances, moi, je suis fatigué. Pourquoi j'ai ces lunettes, en plus, moi, putain, j'ai l'air d'un con. Ouais, salut Fabien. Ouais, c'est fini, on regarde plus. Ouais, c'est quoi, voilà. Oui, bah, allez, on se quitte avec. Allez, pourquoi tu parles comme Arletti là, on se quitte avec la télé qui a beaucoup moins bien marché. Comment il va? Il va, la télé mal, mais lui, mal aussi. Merci bien, Antoine. Merci, bonjour, bonjour.